La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui cette sortie de Tamba Jacary Milimolo. Comme vous le savez, Tamba Jacary, il est le journaliste de l'espace. La famille Tamba va nous faire une révélation. Une révélation sur son patron, mais aussi sur Moussa Moïse Sylla, comme vous le savez. Moussa Moïse. Et lui aussi, il était journaliste au groupe Adafo Media. Alors, Tamba va nous parler un peu de la situation dont les médias sont en train de vivre actuellement et aussi le silence coupable de nos religieux, mais aussi toutes les personnes de bonne volonté. Alors, Tamba va nous faire des révélations concernant certaines personnes. Certaines personnes dont apparemment son patron est vraiment déçu. Voilà. Est vraiment déçu de ces personnes. Car actuellement, ces personnes dont Lamine a porté main forte sont actuellement placées dans des positions, comme vous le savez, dans des positions où ils peuvent faire quelque chose au retour pour le patron d'Adafo Media à la personne de Lamine Gerassi. Moi-même, tout dernièrement, je pense que c'était hier, je suis tombé sur une vidéo de Lamine, dont il parlait de l'ingratitude de certaines personnes. Voilà, il parlait de cette situation, je l'ai écouté, même moi j'ai constaté, en tout cas, qu'il est déçu, qu'il est vraiment déçu de beaucoup de personnes. Mais aussi, on arrive à comprendre dans cette révélation de Tamba Jacary, on arrive à comprendre que Lamine serait même dessus de certains artistes. Certains artistes de la Guinée. En tout cas, comme vous le savez, Lamine, c'est journaliste. Malgré, c'est un patron de médias, mais qu'il a quand même apporté beaucoup de son soutien à beaucoup d'artistes en Guinée, surtout ces artistes de la nouvelle génération. On a tous vu ça, soit les artistes de Mamaya, mais aussi les artistes de rap, de hip-hop. On a vu quand même Lamine apporter son soutien à ces artistes. Je peux même vous donner d'exemple, le cas de Gianni Alpha, qui est toujours reconnaissant envers Lamine, parce qu'à chaque fois qu'on l'invite au plateau d'Adafo, il ne manque pas de remercier Lamine Gerassi de tout son soutien qu'il lui a apporté. Mais aussi, on a vu certains artistes, donc Coury Simple, Tene Diawara, on ne va même pas finir de citer tous les artistes que Lamine Gerassi a vraiment aidé dans ce pays. Mais pas seulement les artistes, on a vu aussi des hommes politiques. On a vu des hommes politiques dont vraiment Adafo a montré au monde. Parce que vous savez, certains politiques, quand ils voulaient se faire voir, ils avaient toujours besoin de Lamine, au fait le plateau de Lamine, pour venir, en tout cas pour que les gens puissent pour avoir de la visibilité, je veux dire. Alors, si ces gens aujourd'hui sont bien placés au niveau du pouvoir et qu'ils voient les difficultés dont Lamine, pas lui seul, mais dont Lamine est en train de traverser, ils peuvent au moins dissuader le président de la transition en lui disant, voilà, président, cette voie n'est pas du tout bien. Il faut faire ça, il faut faire ça, au moins pour le dissuader. Parce que vous savez, quand quelqu'un il est au sommet de l'État, il est au sommet de l'État, vous qui êtes à côté de lui, des fois lui ne voit pas tout, mais vous qui êtes à côté de lui, des fois il y a certaines décisions, c'est vous qui devez normalement le dissuader. Mais malheureusement en Guinée, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est eux-mêmes des fois même qui poussent le chef de l'État, par exemple, à prendre des décisions qui sont vraiment contraires aux choses, quoi. Est-ce que vous comprenez? Alors, Lamine va nous faire cette révélation. Mais aussi, il va nous parler de son ami Moussa Moïse Sylla.
Parce que vous le savez, beaucoup de gens critiquent Moussa Moïse là comme quoi il n'apporte pas son soutien. Il n'apporte pas son soutien aux médias, mais surtout à son média d'origine qui est Adafo. Mais ce que les gens doivent savoir est qu'il y a des fois, si on est à certaines positions, c'est pas comme ça on exprime nos sentiments. Peut-être, on ne sait pas dans les coulisses ce que les journalistes ou bien ce que le patron de médias Adafo discute avec Moussa Moïse. Et il y a des choses, Moussa Moïse ne peut pas prendre des positions publiquement parce qu'on ne peut pas s'en savoir. Il fait partie de cette gouvernance. Des fois, il y a des décisions, il ne peut pas sortir publiquement le dire, mais dans les coulisses, peut-être, il a même fait des démarches. C'est ça même que Tamba Diakari va nous dire dans la vidéo. En tout cas, selon les informations qu'il nous a données, Moussa Moïse a fait beaucoup de démarches. En tout cas, il a fait beaucoup de démarches concernant cette situation que les médias sont en train de vivre actuellement. Mais il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui qui sont bien placés là-bas. En tout cas, que Lamine a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, ils ont tous oublié. Et on arrive même à comprendre qu'il y a certaines, même, ils ont peur de décrocher même l'appel de Lamine pour ne pas avoir des problèmes. Parce que vous ne pouvez pas sans savoir, actuellement, beaucoup de cadres en Guinée sont sous écoute, sous l'écoute de l'ARPT. Parce que ces gens-là, c'est eux qui contrôlent tout. En fait, toute la communication, c'est eux qui contrôlent. Alors, ils peuvent mettre n'importe qui sous l'écoute. Et quelque chose qui n'est pas du tout normal, parce que vous savez, dans les pays où il y a les règles, où on respecte les règles, on ne peut pas mettre sous écoute d'une personne sans l'autorisation d'un juge. En tout cas, il faut avoir l'autorisation d'un juge pour mettre en écoute une personne. Mais comme vous savez, on est en Afrique, beaucoup de choses, beaucoup de règlements, on les piétine. Alors, la famille, je vous invite à regarder cette révélation de Tamba Diakari Milimolo. Elle est vraiment, vraiment importante, l'information qu'il va nous donner dans cette vidéo, mais aussi les révélations qu'il va nous donner sont très importantes. Alors, la famille, mon dernier mot, n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, la commenter, la partager au maximum avec vos amis. Moussa Moïse, j'ai fait une publication pour dire joyeux anniversaire à Lamine. Puis j'ai dit dans un des passages que il n'avait pas à regretter d'avoir aidé des gens de moindre valeur à devenir des gens que tout le monde acclame, que tout le monde respecte, qui ont des positions, y compris au sommet de l'État. L'expression cochon. Porc, les gens peuvent. Mais il ne faut pas voir la violence du mot porc ou cochon, s'il vous plaît. Regardez à l'image qu'il y a derrière. Même quand tu prends un porc, tu le laves, tu lui mets le costume que tu veux, tu lui mets du parfum, faut le libérer. S'il y a de la boue à côté, tu vas voir ce qu'il va faire. Un peu dans sa nature. Mais j'ai dit à Lamine, dans ce poste-là, qui n'avait jamais de regret à avoir fait du bien, même à des gens qui te combattent, qui le combattent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Les gars, il y a des gens aujourd'hui en Guinée, et c'est établi hein, ce que je vous dis, il y a des gens en Guinée qui ont peur de décrocher son appel. Aujourd'hui en Guinée. Aujourd'hui en Guinée, il y a des gens qui n'aimeraient pas rester assis à côté de lui, parce que semble-t-il, on ira identifier, on ira par un, je ne sais pas comment ils font à l'ARPT là-bas, semble-t-il, localiser, voilà. Si on localise le téléphone de Lamine, on sait qu'il est par là. Et si tu es dans la gouvernance et qu'on localise ton téléphone à proximité de celui de Lamine, tu as chaud, quoi. Et ça m'a heurté. Lui n'en parlera pas. Mais attention. Quand ça me concerne, je peux me taire. Mais je ne veux pas me taire quand ça concerne les autres. C'est ça la différence. Vous savez que je suis un des journalistes les plus insultés de ce pays.
Mais ça va. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent, ils insultent sans connaître la vérité, ils le font. C'est eux qui voient. Roland Tapa, merci beaucoup. C'est eux qui voient, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il y a que quand ça concerne les autres, il faut parler. Il faut dire que c'est pas bon. C'est juste la raison, ce que j'ai mis. Maintenant, en parlant du porc. Et là, tout de suite, on a vu Moussa. Hein. Tout de suite, on a vu Moussa. Pour le cas Moussa, je ne parle pas de ça. Je vais parler de ça en deuxième position. Après, je ne vais pas vous dire c'est Moussa ou c'est pas Moussa. Vous-même, vous allez tirer les conclusions. Parce que dans un pays où on a du mal à reconnaître la valeur des gens, parfois, il faut parler pour dire certaines choses que les gens ne savent pas. C'est important. Mais en parlant de porc, tout le monde voit Moussa. Mettez Moussa en pause, hein. Prenez les artistes. Quel grand artiste est devenu grand en Guinée aujourd'hui, de cette génération? Je parle des derniers, de notre génération. Quel est l'artiste de notre génération qui est devenu grand sans Lamine? Vous voyez? Quel grand artiste est devenu grand aujourd'hui en Guinée? Je parle de notre génération, qui soit devenu grand sans le concours de Lamine. Et souvent un concours gracieux, c'est-à-dire gratuit. Moi, j'ai été assistant de Lamine pendant plusieurs années, son conseiller proche, ami parmi les amis. Certains dossiers sont passés par moi. D'autres, c'est avec lui. Mais quand ça se passe, je suis toujours au courant. Je sais quand il décide d'accompagner quelqu'un. Tu as vu? Merci Abdul Latif. Je vais prendre. Toi, il faut que tu m'amènes ton pot-pas là ici. Je vais en prendre. Donc, je suis témoin de tout ça. Ça, c'est les artistes. La société civile. Quel est l'acteur de la société civile qui a pu émerger sans le concours de Lamine ces dernières années? Vous pouvez me dire. La société civile généralement prise, hein, y compris les syndicalistes. Quand ils voulaient lancer une grève, c'était chez nous. Partout, c'était chez nous. Prenez les mamans, les médiatrices, les médiateurs, qui vous voulez, qui a émergé ces dernières années sans Lamine. Honnêtement, les gars. Et donc, lui, il ne dira pas ça, il ne doit pas dire ça. À sa place, je n'aurais pas parlé, moi. Je n'aurais rien dit. Mais moi, je peux parler, parce que je suis témoin de cela. Et il faut que je le rappelle qu'il faut qu'il se lève. Il y a quelqu'un qui a dit Gianni Alpha. Va demander à Gianni Alpha. Et pour cela, Gianni Alpha est un des plus reconnaissants. De ce point de vue-là, c'est un des artistes les plus reconnaissants à Lamine, pour avoir cru en lui. Tu as vu? Et il le dit tout le temps. Il le soutient comme il peut. Bon. Maintenant, vous voyez, mais même Esborap, moi j'ai reçu Esborap dans les GG. Vous pouvez leur demander. Et c'était gratuit. Alors que dans les GG, quand on te reçoit pour une promotion, tu fais 15 minutes, c'est 15 millions. Dans les GG, quand c'est une promotion. Et c'est décidé avec le service commercial. Alors, donc, je ne comprends pas que les gens se taisent. Et les politiques, en parlant de politique, je vais vous dire, la plupart des jeunes qui sont là-bas ont été portés par Lamine. Certains ont été sollicités, Lamine, pour les aider à être là où ils sont. Je ne dis pas de nom, mais ils se reconnaissent dans ce que je dis. Certains sont venus voir Lamine. Je suis témoin de cela. J'ai vu des éléments, j'ai vu des messages. D'autres, c'est en ma présence. Aide-moi pour être là. Aide-moi pour devenir ça. Aide-moi pour être ça. Je suis témoin de ça. La plupart sont là-bas grâce à Lamine, les gars. Vous comprenez? Donc, quand je parle de porc, ce n'est pas les employés. Les employés travaillent et ils sont payés. Ils sont quittes.
Ils sont quittes vis-à-vis de leur employeur. Mais je parle de ceux que la mine a aidés et qui sont là-bas, qui sont à des positions où ils peuvent dire « Ah, ça, c'est une mauvaise dérive. » C'est une mauvaise dérive qui peuvent dire ça au CNRD. C'est pas bon, le chemin qu'on a pris n'est pas le bon, il faut le changer. Ils sont là-bas, ils doivent le faire. J'ai parlé des religieux qui se taisent, des sages qui se taisent, des médiateurs qui se taisent. Et quand Fonike va appeler à une manifestation, c'est eux qui vont commencer à parler. Quand les syndicalistes vont lancer un mouvement de grève illimité et général, c'est eux qui vont se lever pour dire non, il faut aider, il faut se taire. Pendant que quand c'est mauvais, il faut le faire. Il y a l'histoire d'un prophète dans la Bible qui s'appelait Nathan, qui allait voir le roi David, un grand roi, Daouda, dans le Coran. Et qui lui a dit, Daouda, tu es David, tu es pire que tous ceux qui sont dans ton royaume. En fait, Daouda, le roi David, a courtisé la femme d'un de ses guerriers, Bathsheba. Elle était très belle. Que fait David ? Pour avoir la femme de son guerrier, il dit à son général des armées, « Va avec Uri, qui était le mari de Bathsheba, va avec Uri, mène-le au front, là où c'est chaud, pour qu'on le frappe et qu'il meure. Comme ça, quand il va mourir, moi, je vais épouser sa femme. » L'Éternel s'est mis en colère et il a envoyé son prophète contre David. Et le prophète est venu, il lui a dit, « David, Dieu t'a donné plus qu'à tous les autres. Tu avais des femmes. Tu en as, quand tu veux, tu peux. Tu as des biens, quand tu veux, tu peux en avoir. » Et il lui a donné l'exemple d'un homme fort qui a beaucoup de brebis et qui reçoit un étranger chez lui. Au lieu de tuer un mouton chez lui, il va chez le voisin qui n'a qu'une seule brebis et il la tue, il donne à son étranger. Quand David a entendu l'histoire, là, il s'est fâché, il dit, « Mais qui a fait ça? Il faut qu'on le tue !» Et puis, le prophète Nathan lui a dit, « C'est toi. » C'est toi ce roi-là, c'est toi cet homme fort. S'il faut le tuer, c'est toi qu'on doit tuer. Que font nos religieux? Heureusement, on a vu cette déclaration de l'Église catholique. Mais ils ne sont pas les seuls. Quand ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Bon. Mais en revenant à ces gens que la mine a aidés jusqu'au bout, je ne parle pas des employés. Moi, la mine, j'ai travaillé pour lui et il me payait. Nous sommes quittes. Si je décide de rester, je reste. Si je décide de partir, je pars. Je suis un employé. Je ne lui dois pas plus de loyauté. En fait, c'est ça la vérité. Je ne dois pas à la mine plus de loyauté. Il me paye et je travaille. S'il ne me paye pas, je peux partir. Si je reste, c'est moi qui décide de rester. Maintenant, revenons au cas Moussa. Les gars, je veux vous dire une chose. Ne crachons pas sur tout. Parce que j'ai vu comment on l'attaque, j'ai vu comment on dit des choses sur lui. Ne crachons pas sur tout. Aujourd'hui, je vais vous révéler certaines choses que vous ne saviez pas sur lui. Je vais vous le dire. J'ai fait une publication, je crois que c'était le 5 septembre ou quelques jours avant, après, pour dire... Moussa est un bon journaliste et je lui ai dit bravo. Mais qui de vous peut nier? Qui de vous peut nier que Moussa était un grand journaliste? Moussa est, pour notre génération, un des plus grands investigateurs. Vous pensez que on va cracher sur ça, on va oublier ça? L'enquête sur le trafic sur le pèlerinage à la Mecque, la mafia au nom d'Allah, vous vous en souvenez? Les enquêtes sur la drogue, les enquêtes sur la criminalité, avec Junior en particulier, Junior qui était en prison, vous avez déjà tout oublié sur Moussa Moïse? Parce que je vois l'avalanche de gens qui partagent ça et qui se moquent de lui. Et qui... Soyons pas ingrats. Quand il y a des gens qui ont rendu un très très bon service aux gens. Sur la pêche. Au point où ils ont envoyé des gens pour le tuer chez lui. Des assassins. Vous êtes tous témoins de ça.
il aurait perdu la vie. L'enquête sur les fonds de l'armée, ce n'est pas le ministre Diané là, qui a porté plainte contre lui. On voulait le mettre en prison, Moussa Moïse, abandonné si on était tous là-bas au procès, parce qu'il a fait un travail sérieux. Moi, je ne suis pas de ceux qui oublient. Hein. Quel que soit ce qu'on dit, je ne suis pas de ceux qui oublient. Maintenant, est-ce que Moussa est un porc? Est-ce que Moussa a lâché la mine? Les gars, je vais vous dire. Ça, il ne l'a jamais dit. Je ne l'ai jamais dit avant. Je vais vous le dire aujourd'hui. Vous allez comprendre. Quand tout le monde partait là et qu'ils abandonnaient la mine, Moussa a reçu la plus grande offre de salaire et de traitement qu'un journaliste pouvait avoir. On lui a dit, tu viens, on te donne 40 millions de francs guinéens par mois, on te donne un 4x4 neuf et une villa neuve construite pour toi. Je veux répéter ça, c'est la vérité. On lui a dit, on te donne 40 millions de francs guinéens par mois. On te donne un 4x4 neuf et on te donne en sus une villa, c'est pour toi Moussa. Quitte Adafo et viens. Vous savez ce qu'il a fait? Il a refusé. Quelqu'un d'autre l'a vu, qui est aujourd'hui en prison. Et il lui a dit, bon, si 40 millions par mois ne te suffisent pas, je peux appuyer de ton côté, même si c'est 80 que tu veux avoir, on va te donner ça, mais pas. C'est ce qui lui a été proposé. Moussa n'est pas parti, les gars. Moussa n'est pas parti. C'est un gars qui a pris des risques pour que vous ayez la bonne information. Vous le connaissiez. Est-ce qu'il ne faisait pas d'enquête seulement pour les grands et comment on appelle, pour les grandes structures ou les hommes forts? Il partait, le gars là partait même dans les petits ménages, rencontrer des gens de rien. Donc il n'était pas intéressé uniquement aux gens. Non, moi je n'oublie pas. Moi je n'oublie pas. Alors, ça c'est le journaliste. Et c'est ce journaliste que j'ai publié. Et j'ai publié ça il y a 3 ans. Pourquoi ramener ça aujourd'hui? Pourquoi ramener ça aujourd'hui? Vous ne faites pas la différence entre le professionnel qu'il a été et aujourd'hui le ministre qu'il est. Et même le chargé de communication. Même moi, tu me mets chargé de communication. C'est quoi un chargé de com, les gars? Il faut qu'on se cultive un peu pour voir ça. Un chargé de com fait quoi? Il prend position contre son entité. Je vais vous dire, j'ai publié ça il y a 3 ans. Je le redis aujourd'hui encore devant vous. Moussa a été un professionnel qu'il faut saluer. Il faut le lui reconnaître. C'est parce qu'on est dans un pays comme le nôtre. Mais il faut reconnaître à Moussa ce qu'il a fait pour nous, pour la Guinée. Ça, c'est une chose. J'ai tenu à vous révéler ça aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi j'ai du respect pour lui. C'est un homme loyal. C'est sa loyauté qui l'a fait grandir. Sa loyauté, je vais vous dire, sa loyauté va peut-être le perdre. Mais il ne va jamais, jamais... Moussa est un homme loyal. Ce n'est pas un porc. Il y a des porcs, ils sont nombreux là-bas. Mais ce n'est pas Moussa. Alors, est-ce que Moussa doit démissionner par rapport à la situation qu'il y a? C'est son choix. C'est son choix. Hein. Ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas Moussa qui décide de fermer les médias. Ce n'est pas lui. Je vais vous dire, on nous aurait fermé avant si Moussa n'avait pas été là-bas. Je n'entre pas dans plus de détails parce que ça aussi, ça peut lui créer des problèmes. Ça peut lui créer des problèmes. Alors, les gens disent, il a tourné le dos à tel, il a tourné le dos à tel. Menez votre petite enquête. Renseignez-vous un peu. Auprès de journalistes que vous connaissez, ils vont vous dire qui est Moussa.
Même aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais vous êtes devenu tellement pénible parfois qu'il faut vous expliquer un peu certaines choses. Parce que sinon, vous allez faire du mal à quelqu'un qui, en fait, n'a fait que vous servir. Hein. Il n'a fait que vous servir. Le 5 septembre, plus de 18 000 spectateurs étaient sur la page Facebook de Adafo Media, de Espace TV. Le 5 septembre 2021. Plus de 18 000 personnes. Ça, c'est que sur la page. C'est pas sur YouTube, hein, pas sur Twitter. Et c'est même pas sur, c'est même pas sur la télé. Grâce à qui? Nous tous là, on était en studio. Moi, quand j'ai décidé de partir, ma femme a appelé mon grand frère pour me dire, hey, il faut pas qu'il aille ici, tu sais, c'est tout. Moussa s'est levé, il était sur le terrain. C'est lui qui vous a permis de voir tout ça. C'est un homme qui a pris des risques. Moi, je ne suis pas... Honnêtement, ne développons pas une attitude qui oublie ceux qui ont bien fait. Vous comprenez? Des gens peuvent... Et c'est pas mauvais d'avoir soutenu quelqu'un aujourd'hui et demain lui dire que tu fais mal. C'est pas mauvais. Quand quelqu'un fait bien, il faut le dire. Quand quelqu'un fait mal, il faut le lui dire. Mais c'est pas Moussa qui retire nos agréments. Hein? Regardez un autre con qui dit que je fais Atalakou pour un poste. Les gars, j'ai été parmi les journalistes guinéens le premier à être sollicité pour être avec eux. Si vous avez un contact là-bas, renseignez-vous. Si vous avez un contact, renseignez-vous. Même avant Moussa. Arrêtez. Vous pensez que les gens sont là que pour un poste, que pour un poste. Poste dans cette situation-là, ils n'ont qu'à prendre. Dans cette situation, ils n'ont qu'à prendre. Vous pensez que les gens vivent de ça, de poste? Non. Je tenais à vous dire ça pour terminer avec cet élément. Ne noyons pas les vrais combats, les gars. Ne noyons pas les vrais combats. Notre combat, ce n'est pas mon amitié avec Moussa. Moussa est mon ami. Yo, quelqu'un avec un professionnel, un collègue de travail, dont tu connais la mère et le père, dont tu connais toute la famille, qui connaît toute ta famille, qui prend part à ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est plus qu'un ami. Je ne vais pas... Et il sait, s'il fait mal, il sait, il connaît ma bouche. Mais bon, après, il faut... Tout n'est pas matériel, en fait. Tout n'est pas matériel. Et tout n'est pas matériel. Le jour où je vois Moussa dans des trucs bizarres, des communications bizarres, dans cette dérive que nous avons là, on va le lui dire. Et il sait que je lui dirai. Et avec lui, c'est sans gants que je vais. Mais pardon, n'oubliez pas qui il a été. On ne construit pas un État en oubliant ce que les gens ont fait de bon. Non. Le CNRD, pour moi, c'est la dérive aujourd'hui. Pour moi, c'est la dérive, une dérive dangereuse. Le président m'écoute peut-être. Monsieur le président, vous pouvez corriger ça. Mais pour moi, là, c'est encore une dérive dangereuse. Je vous le dis, monsieur le président, avec tout le respect qu'on peut avoir pour vous, je pense que ça, c'est dangereux. Les chemins que vous empruntez sont dangereux. Il faut corriger ça. On parle de médias, les gens disent quelle est votre stratégie. Vous n'avez pas encore compris. Ils ont fini avec les médias. Ils ont dit évaluation des partis politiques. Hein? Attendez, vous allez voir ce qu'il en est. Tout ce qui se passe là, on ne peut même pas en parler. Il n'y a pas de médias. Tout passe comme ça. Les gens sont dans le noir, en Guinée comme en dehors. Comment vous voulez construire une bonne démocratie, avoir une bonne gouvernance, quand tout le monde est aveuglé comme ça? Mais quand je dis ça, ça ne m'empêche pas de dire que Moussa là, ça a été un des meilleurs journalistes d'investigation de notre pays. Et quand tu dis ça, tu n'es pas corrompu. Tu reconnais, tu es dans une logique où on préserve notre patrimoine, notre histoire. Et il a fait notre histoire. Il a fait partie de notre histoire, Moussa. Faut pas... Non. Il faut pas... Alors, est-ce qu'il doit faire comme Elie Kamanou? C'est son choix, vraiment.
S'il veut, il fait. S'il veut, il fait pas. Nous, on va dire ce qu'on pense du CNRD. Et c'est ce qu'on fait. Depuis l'annonce du décès de Sadiba, je vous assure, les messages que j'ai reçus, les appels que j'ai reçus, des parents et des amis qui m'aiment, qui me disent, Tamba, s'il te plaît, il faut te taire. Vous avez vu que tout le monde est en train de se taire. À part Elie. Une mort miraculeuse comme ça. Un décès miraculeux. C'est ce que je vais dire, je n'ai pas d'autre mot. Et comment on dit? Il arrive, le procès, on le fait à 400 à l'heure. Il est condamné à 400 à l'heure. Il meurt 400 à l'heure. On vous sort le communiqué là, que tout le monde a vu. On l'enterre à 400 à l'heure. Malgré le barreau de Guinée qui dit, mais on veut une autopsie. On n'écoute pas ça, on s'en va, on fait président. Président, c'est pas bon. Président, c'est pas bon. C'est pas bon. Les gens me disent, mais pourquoi tu souffres autant? Les gars, j'ai aimé le monsieur là. Quand il a dit ce qu'il a dit, quand il a pris le pouvoir, faire l'amour à la Guinée, quand je l'ai vu se recueillir à Bambeto, quand je l'ai vu avec les principales annonces, quand il a créé la CRIEF, quand je l'ai rencontré dans sa grande simplicité. Dans sa grande simplicité, je me suis dit, voici celui que nous attendions.